Bonjour, bienvenue sur Scooter Mécapouette. Donc aujourd'hui, on va remonter l'allumage de la V89. Et si j'ai le temps, on essaiera de la mettre en route. Bon, normalement, on devrait démarrer, j'ai pas touché au moteur. Donc, on va déjà voir si l'allumage frotte. J'ai monté la bobine d'allumage, mais j'ai pas raboté pour le moment. Je vais déjà voir si ça frotte ou pas. J'ai remis le condo à l'endroit. Donc on va monter la soi-disant voilà hein, le soi-disant joint motobécane. Alors je vous dis soi-disant joint motobécane parce que c'est des c'est du faux hein, c'est pas du motobécane hein, c'est adaptable. Motobécane n'existe plus, donc je vois pas comment que ça pourrait s'appeler motobécane. J'avais regardé en quelle année ça s'était arrêté motobécane et j'ai plus ça en tête, mais je sais que ça a été au départ c'était motoconfort, ensuite ça a changé, c'est devenu motobécane, et après ça a changé, c'est devenu MBK, et ensuite c'est devenu Yamaha. Mais bon, il n'y a pas eu chez Yamaha, il n'y a pas eu de mobilette. Le plateau, enfin la platine. Ouais, mettre un petit coup de geste commercial parce que j'ai un petit problème là-dessus, c'est que ça a tendance à pas vouloir se monter. Je vais remettre les écrous qu'il y avait. Enfin, les écrous que moi j'avais mis. Alors, j'espère qu'ils vont pas foirer ceux-là parce que j'en ai pas d'autres. Enfin, j'en ai d'autres, mais j'ai plus que des écrous standards, des écrous normales quoi. J'ai plus de nul stop. Je crois que c'est du 8 là-dessus. J'emmène juste en butée, pas besoin de serrer ça comme un couillon de la lune. Le fil de la haute tension, pour le moment, je le bloque là parce que je le remonte pas tout de suite. Je vais remettre la cam. Alors je fais pas de calage, hein, c'est juste histoire de voir déjà si le. Juste histoire de voir si la bobine touche ou pas. Donc pour le moment, on va dire que le calage, c'est pas trop le cadet. C'est pas le cadet de mes soucis pour l'instant. À mon avis, il y a des grandes chances que ça frotte. Et je m'en serais douté. Ça frotte. Donc écoutez, je redépose le système, je fais la modification de la bobine.
Donc voilà, c'est bon, le plateau, enfin la bobine est modifiée. Alors je vous ai pas filmé entièrement parce qu'il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Ça c'est pareil, ça commence à me courir. Quand on vend des pièces et que c'est marqué pièces d'origine. Pièces d'origine de quoi donc? Pièces d'origine de rien du tout. J'ai jamais vu être obligé de modifier pour une pièce d'origine. Alors je dis pas, elles sont quand même de meilleure qualité que les Technics, mais bon, être obligé de meuler le noyau, non. À un moment, faut arrêter quoi. Alors par contre, le problème, c'est que bah, vu que ça commençait un petit peu à m'agacer parce que ça me chauffait les pattes au passage, j'ai bouffé le plastique. Donc je vais pas la remonter comme ça. Je vais mettre du Chatterton. C'est pas la même couleur, on s'en fout. Le principal, c'est que ça soit isolé. Voilà, et je vais faire toute la longueur. Histoire d'être sûr. Alors je mets la tartine. Attendez, je coupe ça. Donc voilà. Alors moi, ce que je fais, comme ça, quand je mets du Chatterton, je me le mets comme ça, je vais dézoomer un peu, voilà, je le mets comme ça et je vais mettre de la super glue. Forcément le tube est bouché, donc comme je disais, ah putain, ça m'énerve, ça fait jamais comme je veux. Alors, on va le mettre dans le sens. Je laisse dépasser un bout de Chatterton. Je mets de la glue dessus. Et ensuite, ce que je fais, je viens plaquer mon Chatterton. Alors, vous évitez de trop mettre le doigt dessus quand même. Voilà. Vous le faites avec un tournevis plat. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à en remettre par-dessus, puis à le réétaler. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser sécher maintenant. Donc, on va remonter le plateau d'allumage. On va re-régler l'allumage. Donc, je vais déjà enlever le bloc piston, le câble du décompresseur que j'ai remonté hier, mais comme un gros con, j'ai pas pensé que j'avais le calage d'allumage à faire.
Alors, vu que j'avais enlevé le rupteur hier pour remettre le condo à l'endroit, j'avais tout enlevé quoi, parce qu'il fallait que je repasse les câbles au passage. Je vais être obligé de me re-régler le rupteur. Déjà. Donc. Là, il faut que je trouve mon point d'ouverture maximal de mon rupteur. Et que je le cale à 0,4. Donc 0,4, on va dire 0,40. Hein, parce que c'est ce qui est marqué sur ma cale. Donc. Apparemment, je passe pas devant la caméra. Là, j'ai l'air peut-être pas trop mal. On va desserrer la vis cruciforme. Elle est trop lâche. Donc on va redesserrer le rupteur. Là c'est bon. Ma cale gratte sans décaler le rupteur. Voilà. Je revérifie encore un petit coup. Histoire d'être sûr. Et j'ai dû bouger légèrement le rupteur quand j'ai resserré. Ah non. Donc là je suis bon. On enlève ça. Et on va passer au point d'avance. Donc moi c'est une merde, c'est une pige de merde hein, que j'ai. J'ai prévu que je la change. Alors, vous la serrez à la main dans un premier temps. Redesserrez un peu le dessus. Une clé plate. Forcément, je vais desserrer le dessus, c'est la pige complète qui se desserre. Voilà. Voilà, vous allez bloquer la pige comme si vous bloquiez une bougie. Vous allez aligner votre zéro. Je vous dézoome. Je suis obligé de passer devant. Ça, j'ai pas le choix. Donc, vous allez trouver votre point, le point le plus haut du piston, donc le point mort au complet.
vous allez bloquer la vis de la pige en prenant garde de ne pas décaler votre pige, de ne pas la bouger surtout. Voilà. Bon, normalement c'est bon. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez tourner votre moteur. Vous allez tourner votre moteur d'un quart de tour vers l'arrière. Et vous allez faire votre réglage. Alors, il y en a beaucoup qui donnent des dimensions. Donc moi j'ai mon premier garagiste qui me disait que c'était un 5. Et le deuxième, il me dit que c'est entre 2 et 2,2. Donc j'ai fait les deux, j'ai essayé les deux. À 1,5, elle ne tire pas. À 2, ça tire mieux. Donc je vais la caler à 2 mm. Un tour. Donc 1 mm correspond à un tour complet de pige. Donc vous partez du 0, vous faites un tour jusqu'à revenir sur le 0. Et vous le faites deux fois. Donc un tour. Et deux tours. Vous ramenez votre moteur en butée. Vous allez prendre un bout de papier, tout simple, un bout de feuille A4, alors par contre vous ne le pliez pas. Vous en coupez un bout, comme ça, vous pouvez le faire aussi avec une cale. Le problème avec la cale, c'est que ça glisse beaucoup trop, donc voilà. Vous allez mettre ça là-dedans, vous allez mettre votre calme. Voilà, vous appuyez un petit peu quand même. Vu que c'est une cam de qualité de grosse daube, avec une main, vous allez tirer légèrement sur la cam et vous faites tourner votre cam tout en tirant légèrement sur le papier. Alors vous y allez mollo. Voilà. Là, le papier est venu. Je vais y remettre un tout petit peu. Voilà. Parce que je sais que ça va bouger un peu quand je vais taper sur la cam. Mais par contre, ce que je vais faire avant, c'est que je vais pas la rentrer définitivement. Je vais mettre un tout petit coup de marteau. Voilà. Je retourne mon moteur en arrière. Je réouvre mon rupteur. Et je regarde que quand j'entends le moteur embuté, que mon papier soit sorti. Donc j'essaie de lui mettre à 2,2 pour voir. Parce que là, ça c'est le papier est sorti un peu trop facilement. Non, c'est bon. J'ai 2,2. On va faire un test comme ça. Au pire, si jamais ça va pas, ben, je pourrais toujours ressortir la cam. Hein. Je re-enlèverai la cam, puis je referai le test. Hein. Et je redémontrerai. Et je referai le réglage. Donc là, le geste commercial. Quand vous enlevez votre pige et que vous voulez refaire un test après d'allumage sur votre machine, surtout pensez bien à retenir le nombre de tours que vous avez dévissé votre pige. Parce que comme ça, ça vous permet de laisser le calage, le point mort au-dessus. Il faut juste penser à redévisser le bon nombre de tours. Moi, je fais comme ça maintenant parce que vu que j'ai une pige qui est de très bonne qualité, voilà, vous m'avez compris. Donc on va remonter le rotor d'allumage avec les coups neufs parce que j'ai eu un petit problème avec les coups d'origine. Alors j'aurai peut-être un réglage vario à faire. On verra. Ah, ça se voit que le volant est en bon état. Hein. Sors celui-là.
Alors oui, l'écrou se visse en pas à droite, au lieu d'un pas à gauche. C'est tout à fait normal, je l'ai déjà expliqué. J'ai un vilebrequin d'MBK51 dedans. Parce que le vilebrequin d'origine, j'ai cassé une soie de vilebrequin côté... Enfin, j'ai cassé la soie de vilebrequin côté variateur. Donc le rotor est serré. Là, ce que je viens de faire là, c'est pas bon. Tout un coup de tournage comme ça. Comme vous pouvez voir, le moteur est libre. Donc on va remettre ça en place. Le décompresseur. Décompresseur, on laisse toujours un petit peu de jeu. Par contre, la gibou, on va la serrer. Ouais, avec la clé à bougie, d'origine de la V89. Hop, on remonte l'anti-tapage. On va remettre le fil de la haute tension. Le fil de l'éclairage, bon, même si ça ne l'empêche pas de rouler, ça. Donc à votre avis, elle démarre ou elle démarre pas? Je vais faire laisser biffer et on se reprend après. Bon, bah concernant le plateau, hein, est arrivé ce qui devait arriver. Ça n'a pas tenu. Donc, j'ai mis une vis, tête plate, enfin tête bombée. De l'autre côté, j'ai mis un écrou nilstop diamètre 5. Le système qui est là, je l'ai bloqué à mort. Là, je l'ai bloqué à mort. Donc, maintenant, le pignon est... verrouillé en mode moteur, et encore je crois qu'il est même pas verrouillé à 100%.
Donc j'ai verrouillé un petit peu plus le plateau, je vais pas vous filmer la repose, hein. Je l'ai fait lors du premier épisode, hein. C'est voilà, c'est à peu près pareil, sauf que c'est un peu plus la merde maintenant. Mais bon, je le savais que ça allait pas tenir, hein. De toute façon je le sentais pas cette histoire. Donc maintenant à voir si ça va le faire. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'ai eu 2-3 petits pépins avec la 89, dont le ressort moteur qui s'est enlevé du silent bloc. Donc j'ai remis l'ancien ressort, l'autre j'ai replacé le ressort sur le silent bloc et j'ai collé au sel roulement parce que je n'avais pas pensé à le coller. L'autre, le premier je l'avais collé, donc on verra. Bon bah elle marche plutôt pas trop mal, hein, niveau performance. Hein. Donc bon, à voir, hein, là il fait pas trop chaud, donc quand il va faire chaud, vu que j'ai pas la bonne culasse, on verra bien. Ouais, écoutez, bon bah c'est tout pour le moment, c'est tout pour le projet 89. On fera la suite quand je réussirai à avoir la culasse. Soit 45, soit 47, de toute façon ça sera jamais pire que la 39. Et une fois que j'ai ça, bah on attaquera le moteur. Voilà. A plus pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande. LG Motorsport Racing, 103 Mob. Non, LG Motorsport Racing, Mob 11, Gotha 11, Tomahawk, 103 Mob Stories et la chaîne de mon petit frère, Streamix 2.0. Voilà. Bah à plus pour une prochaine vidéo.